Voilà donc pour les spectateurs qui nous rejoignent, quelques règles de base du Tchoupole. On peut jouer indifféremment sur les deux cadres et marquer sur les deux cadres. Un premier point marqué pour l'équipe suisse et c'est parti. Voilà, on sent un petit peu les Suisses tendus, vu l'enjeu. Donc le principe du jeu est le suivant pour tous les spectateurs qui le rejoignent. Il s'agit de rattraper la balle lancée par l'équipe avant qu'elle retombe sur le sable. Voilà ce qui n'a pas été le cas, donc point pour l'équipe suisse, 2-0. 2-0, l'équipe suisse s'est lâchée en laissant libérer par ses deux avances. Voilà, Carole, dites-nous en fait, cette équipe suisse expérimentée, depuis combien de temps est-ce qu'elle joue? Est-ce qu'on a affaire à une équipe qui a l'habitude de ces matchs internationaux? Alors je pense qu'on a beaucoup de chance, en tout cas dans l'équipe suisse. Il y a des personnes qui jouent depuis très longtemps. Par exemple, la numéro 6, la capitaine joue depuis, en tout cas je pense, 10 ans. Mais en fait, l'équipe suisse a eu un renouveau il y a quelques années et on voit sur le terrain beaucoup de nouvelles joueuses qui sont très très prometteuses. Voilà, donc à chaque fois, là, il y a réflexion par rapport à la zone. L'impact de la balle est primordial par rapport au point. J'ai l'impression que le public est un tout petit peu frigorifié par la pluie. Gonflez-les en bloc, encouragez vos équipes, allez-y, c'est le moment jamais. Voilà, donc on vous distribue dans les gradins les clip-clap, gonflez-les fort, allez-y, montrez-nous que vous êtes là. On n'entend pas forcément beaucoup ceux qui sont pour les Suisses. Donc c'est le moment d'encourager vos équipes. Elles jouent pour vous, pour une, pour la première place de ce tournoi international de Beach Tchoupole. Et 2-2. Allez, sortez ces clap-clap. Faites-nous péter les stades. Allez-y. On sent beaucoup d'excitation dans ce début de match. Voilà, les Suisses sont un peu sous la tension. Elles doivent se lâcher encore. Trop tard.
sur le premier set. 3-7 gagnant à 11 points. Voilà les cartes qui sont distribuées. Montrez que vous êtes un public chaleureux, quelles que soient les conditions météo. Voilà, c'est parti. On sent les clap-clap qui vont partir. On va sentir le vent qui va chauffer. Lâchez-vous les Suisses. Au niveau technique, le repas joué suisse a mis le pied sur la zone. L'arc de cercle que vous avez autour du cadre, ça fait mal à notre équipe. Début de match extrêmement serré. On sent les deux équipes en contendu. Voilà, pénétration dans la zone. Et en jeu, mise en jeu par l'équipe de Palermo. Voilà, défense, excellente défense en troisième zone. Malheureusement, on sent que les équipes sont rentrées dans le match après l'envie. Donc pour tous les spectateurs qui nous rejoignent, venez vous asseoir sur les estrades. Venez nous faire chauffer cette place du monde.